Hop. Ok. Ah, c'est pas le bon parc. C'est pas le bon parc, premièrement. C'était un petit blitz que j'avais fait. J'ai tenté un truc là dans le fond, mais bon, c'était vraiment des trucs. En tout cas, bonjour à tous. Si vous passez sur le live, enfin, pour l'instant, il n'y a personne, j'imagine. Je vais vérifier. Donc là, je vais continuer l'Extreme Spinning Coaster, comme vous l'avez pu le voir dans le titre. Donc, ah. Écoute, faudrait que je retrouve mon parc. Déjà, faudrait que je renomme parce que. Le drop track là, mais bon, ça n'a pas mené à grand chose. D'autres comptes. Ok, donc là, oh. Donc, ce que je vais faire, c'est continuer l'Extreme Spinning Coaster. Hop. Ok, donc là. C'est ma vitesse et tout. Donc je pense qu'on va partir sur... Oh. Ah tiens. Salut. Donc je vais partir sur un drop track. Le drop track... Voilà. On va partir sur une belle montée avec un drop track. On va revenir là et on va partir sur un second launch qui va mener. Enfin, ça va être la fin de la première partie. Qui va se finir par un drop track. Donc, je pense que je vais partir sur un petit EGF turn là. Ah bah ouais, drop track. Drop track. Ouais, un petit drop track qui va venir. Donc là, le drop track, il va arriver dans juste après. Là, je finis la partie. Ah là là. Eh ouais, un petit extreme, un petit drop track sur mon extreme. Je pars déjà sur un EGF turn. Je vais remonter, je vais redescendre là, je vais remonter. Ça va partir sur un petit drop track. Allez, c'est parti. Donc va falloir que je trouve le bon élément déjà, premièrement. Après Jojo, si tu veux participer au live. Écoute. On n'est jamais trop. Ok, alors le GF turn, tu peux partir sur un truc assez sec qui va. Ah bah. Bab de même, de même. Je galère. Alors là, c'est assez. Oula. Je sais pas comment je vais faire. Faire un truc assez assez pas très un élément assez pas très conventionnel, donc je vais partir comme ça. Ouais, c'est un peu bizarre. Après, je sais pas, ça peut donner un peu une sorte de double up, mais je sais pas, je trouve ça assez particulier. Peut-être plus repartir sur un truc comme ça qui fasse plus je sais pas tellement quoi faire en fait.
Attends 2 secondes, je vais mettre en test bientôt. Va falloir. Falloir que je. Ah non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible cet élément, ça. Je sais pas. Je galère avec mes jeux, j'ai F-turn. C'est cheval. En fait, on peut pas vraiment. On n'a pas assez d'espace pour. Tiens, c'est un test, Jojo, si tu veux venir test. Ok. Il va falloir que je peigne tout le bâtiment là. Ah, mais tu parlais à Babouche. Ok. J'ai cru que tu me le demandais à moi. En vrai, j'aurais pu faire une sorte de double corkscrew ici, là, à la place. Enfin, genre un peu comme Old School, mais version Extreme Spinning Coaster. Genre un corkscrew qui passe au-dessus. En dessous du autre corkscrew plutôt. Genre des corkscrews qui s'interlaquent entre eux. Ça pourrait être assez stylé. Je sais pas ce que t'en penses, Jojo, mais bon, moi je pense que ça peut être une bonne idée. Faudrait que je fasse déjà un plan assez large de ça. Non, ça va pas passer là comme ça. Il va falloir que je fasse dans l'autre sens. En soi, je sais pas vraiment quoi faire. Ça, je pourrais le faire plus tard. Je pourrais le faire sur la seconde partie. Genre, après la drop là qui va arriver là, il va redescendre. Là, je mets un corkscrew là. Non, mais je sais pas vraiment quoi faire. J'improvise en fait. Là, je suis en pleine improvisation. J'imagine que je vais partir sur le drop track que Jojo attend apparemment. En plus, je vais mettre beaucoup de théma là. Je vais faire un gros bâtiment comme t'as fait un peu avec ton. Avec ton Gershower. Donc là, je vais partir sur le drop track. Donc là, le flat ride, je sais pas si je le garde ici, mais en tout cas. Et ça va plonger bien bas, comme ça, je pourrais faire un top hat qui va un peu moins haut, mais je garde quand même de la vitesse. Parce que le top hat, j'avais un problème avec les launch avant, c'est qu'il allait beaucoup trop haut. Donc bon, c'est. Assez compliqué de gérer pour les Extreme Spinning Coasters. Parce que les launches étaient soit trop courts. Bon, attends, je vais enlever ce flat ride parce qu'il me dérange plus qu'autre chose. Là, je suis bien à zéro. Oui, je suis bien à zéro. Voilà, ok. Ok. Alors, donc là, je vais faire des bons block break. Et on va partir sur le drop track dans un bâtiment, bien sûr, qui sera relié à là. Donc les blocs break, je vais les faire assez longs quand même. Et là, le drop track. Ok. Donc là, mais c'est assez. Ok, il faut faire plus bas. 16 mètres. Non, 16 mètres, c'était bien. Voilà. Voilà, parfait. On va prendre ce qui est un peu énervant, c'est la couleur qui. Hop. Qui se met comme ça. Voilà. C'est parfait. On a une première partie qui est bouclée. Mais il va y avoir un petit problème là avec eux. Alors, couleur. Aïe 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 aïe. On va faire un truc qui tourne là. Est-ce qu'on peut le faire directement arriver sur le drop track? Est-ce que le drop track il freine ou pas? J'ai pas.
trop long. Ok. Ok, en soi, c'est magnifique, je trouve, par contre, comment il arrive. Attends, je trouve que ça pourrait faire une très bonne structure pour un lunch, par exemple, tu vois. Je vais commencer déjà par des freins normaux, par des blocs break. Et là, j'arrive sur section assez longue de drop track. Parce que, oui, on a dit 16 mètres. Voilà, faut bien que ça drop. C'est bon, le drop track est installé. On a la première partie qui est bouclée. Il reste plus qu'à faire la deuxième partie du layout. Et après, je peux recommencer la thématisation. Donc là, je vais creuser. Ok, non. Là, normalement, on a la fin de la première partie. Jojo, tu veux venir voir? Là, les gens vont finalement penser que c'est la fin pour certains. Et là, drop track. Et ça part directement sur un launch, un petit launch qui va te faire une sorte de première partie de la seconde partie. Et ça va être assez fou. Donc là, c'était juste une petite mise en bouche. Là, on va partir sur la vraie partie du layout. Parce que là, c'était assez calme, assez tranquille. Donc là, on va partir sur de l'intensité pure. Alors, je vais supprimer ce flat. Moi, je vais le décaler quand même parce que la couleur, elle me plaît. Ah, mais il n'a pas conservé la couleur. Ah, bon, bah, je prenais une autre couleur. Ok, c'est parti, on va vérifier. Oh, en vrai, cet élément-là. Parfait. Parfait quand ça s'arrête. Voilà. Alors, je vais essayer. Je vais modifier la vitesse parce que c'est pas assez sec, je trouve. Donc, on va faire une accélération du drop track un peu plus sèche. Donc là. 16 mètres, on a dit. Voilà. Ok. Et là, on va faire drop acceleration 125. Acceleration. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il est assez long par contre? Est-ce qu'il est assez long? Est-ce qu'il est donc. Oh, il est pas assez long, je crois. Je sais pas ce que t'en penses, Jojo. Quoi que si, en fait. Donc là, ce qui va être compliqué, ça va être de faire. Là, je pense que ce que je peux faire, c'est une partie. On croit qu'on va continuer le layout. Une très courte partie, en fait, tu drops. Ça pourrait être cool, ça. Genre, relier un nœud de coaster ici pour faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il y a une autre partie au coaster qui continue après. Mais en fait, c'est un leurre. Je pense que ça pourrait être une idée, pas mal, une bonne idée, je pense. Ton avis, Jojo? Ton avis, je l'attends. Du coup, Jojo, qu'en penses-tu, Jojo? Toi qui es mon référent principal. J'aime l'idée du leurre. Ah. Va falloir que je creuse là. Ce qui va être chiant, c'est les supports. Là, je sens que je vais péter un câble pour les supports parce que là, ça va être assez long.
Ça va être là à peu près. Juste creuser là. Oh! Ah oui, c'est profond. Voilà. On va faire un beau bâtiment là. Ouais. Donc là, lunch, tu le verrais où, toi? Déjà, attends, je vais voir. Je fais le drop track. Il va falloir faire un drop track là et un beau bâtiment pour le drop track. Un beau bâtiment type un peu. Avec des mécanismes et tout. 16 mètres de profondeur. 16 mètres. Enfin, 12, enfin 16 mètres sans compter. Ouais. Enfin, 12 mètres de profondeur, ouais, en enlevant les 4 mètres qu'on a là. Mais on plonge de 16 mètres. Enfin, d'après les stats du jeu, parce que là, je suis pas sûr que ça soit vraiment 16 mètres. Bah, c'est un peu le but de bien plonger. C'est un peu le but de bien plonger, c'est le but. Oula, caploc. Bah écoute Jojo, on n'a jamais assez, tu sais. En plus cette fin je trouve elle est assez sympa quand même. Là tu continues spin alors que t'es en train de drop, ça doit être fou ce genre de truc. Qu'est-ce que tu savais pas? Bah moi je trouve ça cool. Est-ce qu'on garde l'effet de spin ou pas? Là je vais faire un beau turn avec de la théma, comme on aime. Moi j'aime bien la théma. Jojo, est-ce que je pourrais te mettre les perles, mais tu pourrais m'aider juste pour creuser ça pendant que je construis, parce que c'est un peu énervant de construire sans voir. Parce que je sais pas vraiment où je me dirige, du coup je fais n'importe quoi et je creuse, tu vois, mais ça fait des gros trous. C'est pas genre les petits creusements. Bah tu creuses petit à petit parce que je vais pas faire des gros trous comme ça là. Tu vois les gros trous. Ok. Là je vais partir là. Est-ce que je pars sur le launch qui pourrait aller là-bas? Genre. Quel élément pour le top hat vraiment? Je peux faire quoi comme type d'élément? Ouais, je te mets les perles, je te mets les perles. Bon, après, si tu pouvais me faire aussi les supports, la théma, les lights, ça me dérangerait pas, Jojo, tu vois. Non, je rigole. Après, je vais pas trop abuser quand même parce que voilà, on va dire que t'as peut-être autre chose à faire, mais bon, si t'es pas occupé, ça me dérangerait pas d'avoir un peu d'aide concernant toutes ces catégories-là. Hop,
Là, je fais turn, je fais un turn assez serré. Là, je tourne à gauche encore Jojo, donc si tu pouvais pré-shot. Alors, évite de creuser. Voilà, là c'est bien, c'est parfait. Et là, je vais partir sur le second launch qui va être fou. Quoi? T'as dit quoi, Krafna? Comment ça, tu dois faire l'entrée, Krafna? Non, comment ça, tu veux faire l'entrée? Quelle entrée? Est-ce que ça... Caploc. Ah d'accord, ok. Non mais Jojo, tu sais, moi j'aime bien faire plusieurs layouts en même temps. Ça s'est vu avec mon parc Astral World où j'avais trois coasters sans théma en même temps en construction. Tu sais, moi ça me dérange pas de faire tout en même temps. Je fais déjà le truc de type, je fais déjà un peu tout. Je dois tenir à peu près tout. Je fais un peu des dettes à faire à tout le monde. Ça me dérange pas d'en rajouter une, tu sais. Est-ce que le turn il n'est pas un peu trop large? Un bon petit floating là sur le. Avec un bon éjecteur sur la fin. Notre floating là sur le wave turn. Petite EGF. Petit élément transition en airtime, hop, tu continues de tourner et là, bam, tu drops. Et là, c'est parti. Un peu de théma, beaucoup de théma. Est-ce qu'on a cette vitesse? Après, c'est ce que je veux, c'est de la lenteur là. Mode du suspense, mais bon, c'est vrai que c'est un peu lent là. Ok, en tout cas ça passe. Là je vais mettre, tu vois, avec des machines, de la vapeur et tout, de la fumée, des explosions et tout, et là avec des lights et bam, on part sur un blanche. Ouais, mais je pense c'est bien d'être large un peu. Faut que ce soit lent, faut faire une partie un peu dark ride, tu vois. Faut Vraiment, c'est Darkrai, parce que là, il y aura beaucoup, 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 beaucoup de théma. Beaucoup de théma, ce sera la théma pure. C'est une partie Darkrai, là. C'est vraiment Darkrai. Et en fait, on s'attend que ce soit en fait la fin ici. Après, non, pas tout le monde, mais les lambda, ils se disent, ouais, ça va être la fin. Ouais, voilà, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire un peu. Donc là, je vais faire un accélérateur qui monte que... Enfin, un launch qui monte comme ça. J'ai appelé ça accélérateur. Attends, je vais déjà faire la section de block break. Block break. Voilà, et là... Voilà, et là, on part sur un launch qui part. Qui sort directement, on va faire un launch qui sort comme ça là. Va faire un... Attends. Non.
Et là, on va faire une belle montée qui finit par du beau LSM avec un beau bruit de lunge LSM en spinant. Alors, on peut mettre d'airtime parce que ça me dérange un peu. Mais voilà, c'est ce que je veux en tout cas, ça. Un beau LSM qui monte, qui donne des bons jets positifs. En soi, est-ce que c'est pas stylé ça? Je trouve que ça fait un peu style. Enfin, après, je sais pas, mais moi je trouve que ça fait un beau truc, un beau lunch. T'en penses quoi du jeu de ce lunch qui part comme ça, là, dans l'essieu? Bah écoute. Là, ça sera tout caché et là, tu sortiras comme ça sur un élément qui. Enfin, un lunch fou quoi. Je pense que je vais partir sur un truc très proche du sol. Parce que là, on était très en hauteur, on jouait sur la hauteur et on n'avait pas beaucoup de vitesse. Là, on va jouer sur le. Sur. La basse hauteur du ride. Je vais faire un grand top-hat et après, on va faire des éléments très proches du sol. Là, on va faire une montée en puissance avec de la musique. La musique, hein, la musique. On va pas parler de ce sujet. Que la musique, voilà quoi. En plus, ça spinne bien là. Tout, 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 Et là. Ah ouais, c'est assez progressif quand même. Donc là, je vais continuer pendant la montée de faire. Est-ce qu'on a cette vitesse là? Faut voir. Bon, je vais partir sur la montée là. C'est pas si long, je vais repartir sur un truc encore plus long que ça parce que on n'apprend pas assez de vitesse, je trouve. Voilà. Là, on a vraiment gratté sur le dernier. Voilà, parfait. Là, je sens qu'on peut faire un beau truc, un beau top-hat. Attends, je vais tester un drive de ce que ça fait. Et après, on va pouvoir tout refermer et faire la partie Darkrai quand on aura fini. On va déjà faire la première partie Darkrai, la deuxième partie Darkrai. Mais je dis que cette zone, ça va être une dinguerie. Ça va être, tu vois, mon blitz. Tu vois, mon blitz. C'était fou, hein. C'était sympa. Il y avait pas mal de thémas, pas mal de trucs. Imagine ça en fois 20. Je m'investir niveau x20. Enfin, bon, je vais essayer de donner le mieux de moi. Donc, après, faut voir parce que je peux quand même éviter d'exagérer les choses. Faut pas abuser, je vais pas faire un truc de malade non plus. Mais ça va être vraiment très cool. Après, il faut mieux être très ambitieux que pas assez. Là, déjà, le premier élément, il donne un bon éjector. On a des bons jets négatifs. Hop. Et c'est très court. C'est juste une petite mise en bouche, ça, tu vois. C'est. Et là, bam, tu pars sur un bon éjector. Oh, le drop track, il est incroyable.
Le drop track, il est incroyable. J'ai senti quasiment, j'ai quasiment senti. C'est vraiment la sensation de flottement en plus en spinant comme ça. Waouh! Et là, t'arrives. Oh, c'est exactement ce qu'il faut. En unrail, c'est exactement ce qu'il faut, je te jure. On voit la zone de launch qui est folle. Qui est folle. Waouh! C'est fou. C'est fou. Avec une bonne musique. Enfin, faudra le faire. Parce que là, sans musique, ça va pas être intéressant. Et qu'il n'y a pas de musique sur le jeu, bon, bah voilà quoi. Ah, c'est vrai que Dennis, il a fait un très bon boulot là. On peut pas le dénier. Attends, je vais supprimer ça parce que ça me dérange plus qu'autre chose. Et là, en fait, le top hat, il ira sur une autre zone éloignée. Il ira un peu, tu vois, comme Velocicoaster. Il y a une zone très thématisée ici. Et là, on va partir sur une zone en dehors de l'attraction avec un peu d'eau, des trucs comme ça. C'est un peu comme un vélocicoaster ce que je compte faire. Non, je vais pas faire comme ça du coup, attends. Accélérateur, voilà, on va continuer un peu comme ça. Et là, je vais monter plus sèchement. Comme ça, voilà. Ok, c'est parti. Ok, je pars comme ça. Ah, c'est dommage par contre qu'on puisse pas continuer à luncher comme ça sur à l'envers ou alors sur du 90 degrés. J'aurais bien des lunchs un peu verticaux comme Intamin peut faire ou alors comme Vigilera fait avec le coaster à Lagoon. C'est dommage quand même, je trouve que c'est un petit défaut des lunchs sur ce jeu et sur tous les jeux carrément, quasiment. Attends, je vais partir sur un top hat type Intamin. C'est pour un coaster comme ça pourrait être sympa. Non, quand même pas type Intamin. Mais j'aurais un truc un peu comme t'as fait, mais comme a fait du craftin sur ton coaster, mais en mieux, tu vois. J'aurais une montée un peu plus réaliste. Voilà. Un beau truc comme ça qui va partir sur le côté. Ce sera mon chef-d'œuvre. Mais écoute, Craftin, c'était pas vraiment ce que je voulais dire. Enfin, tu vois, j'ai. Voilà, t'as compris quoi. Parce qu'on va pas dire le contraire, mais bon, Craftin, ton top pat, ouais. Non mais je rigole, tu sais, de toute façon, t'es. De toute façon, dans tous les cas, t'es pas un coaster fan, du coup. Tes coasters, c'est un peu pour cette raison vraiment qu'ils sont pas parfaits, tu vois. C'est que t'es pas assez renseigné, en fait. C'est que tu connais certaines bases. Et tu connais pas tout. C'est toi-même qui l'as dit d'ailleurs. C'est toi qui as dit que t'étais pas coaster fan.
Donc c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en coaster. C'est déjà assez bien foutu. Attends, je vais juste faire... Alors ce top-up il sera pas tout calé comme ça en tout cas. C'est juste pour tester la hauteur déjà parce que là, ouah, c'est un peu goofy, on va dire. Donc faut voir, faut voir. Non, en tout cas je joue un truc comme ça. Je joue un truc un peu. Ouais, c'est plus à la Batman quoi. Parce que je trouve cet élément très stylé. En plus de donner sur un spinning une sensation incroyable où tu spins et tu ressors. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer comme type d'élément, mais c'est très très simple à visualiser quoi. C'est pas simple non plus à faire, parce que le top pot sur les spinning, c'est. Généralement, faut voir. C'est pas des top hats, il n'y en a eu qu'un seul d'accord d'ailleurs, donc on peut pas savoir si ça passerait sur un Mac. Du coup, faut voir. Ouais, c'est vraiment un coaster qu'il faut faire au Lastro ce coaster. Joe, t'es encore là? Des éléments un peu en mode bon bah ça va être compliqué de faire un top hat. Je sais pas comment je compte faire le top hat, c'est vraiment la chose que je redoute le plus, faire le top hat. C'est vraiment le truc qu'il faut que je réussisse et après tout ira comme sur comme je l'ai toujours dit sur de l'eau sur des roulettes, l'eau sur des roues, enfin. Tout roulera comme sur de l'eau des roulettes. Voilà. C'est une expression que j'ai appris d'une personne sage qui est moi-même. Tout roulera comme l'eau sur les roulettes. Tout. Tout. Sûr. Voilà. Bon. Le top hat, faudrait que je le finisse avant, avant que je sois mort, déjà. Avant que j'arrête de jouer au jeu. Avant 2024, peut-être. Ce serait quand même judicieux de finir ça avant une certaine période de temps. Parce que. Voilà, j'ai pas tellement envie de passer ma vie sur un top hat. Donc on va avancer sur le top hat. Et en fait, afin de me rendre compte que c'était exactement là où j'en étais la dernière fois quand j'ai tenté de faire le top hat. Et je me rends compte que je viens de faire un retour en arrière en ajoutant un drop track. Mais bon, on va voir. Ce qu'on peut faire dans tous les cas, voilà, on va voir. Voilà, ok. Donc là, ok. Donc
Donc là, je passe comme ça. Ok. Là, c'est pas mal, mais il faudrait peut-être baisser un peu. Voilà. Voilà. Et là. Ok. 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 Ben, j'espère. Enfin... Alors déjà d'ici été 2026, j'aurais déjà commencé à faire de la zone, je pense. Enfin, non, je compte commencer peut-être fin septembre. Mais bon, dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que là, le tapat, je le finirai d'ici 2 mois, du coup. Parce que faudra que je trouve le bon tapat. C'est toujours compliqué de trouver une chaussure à son pied, une chaussure à son tapat aussi. Parce que les tapats n'ont pas de pied. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est toujours probable. Mais bon, on peut faire en forme de chaussure après. Mais je ne verrais pas l'intérêt à faire ça, tu vois. Ce serait pas vraiment très judicieux de faire un top hat en forme de chaussure alors que top hat ça veut dire chapeau et enfin il y a certaines chaussures qui ressemblent à des chapeaux mais bon faut pas abuser quand même parce que voilà faut se dire quand même que là le top hat bah voilà je galère donc je pense que je vais faire un dive loop enfin un Immelman du coup parce que ce n'est pas un dive loop vu que au lieu de plonger parce que dive ça veut dire plonger pour les bilingues qui sont avec moi aujourd'hui, je pense que une chaussure, c'est pas pareil que ta patte déjà, premièrement. Du coup, voilà, ta patte, ça veut dire chapeau. Donc, premièrement, est-ce que je parle trop? Dites-moi dans le chat si je parle trop, parce que je m'emporte peut-être dans des délares. Ouais, top shoes, ouais. Ou alors... Ouais, top shoes. On va faire un top shoes. Attends, je vais essayer de dessiner une chaussure avec le tapote. Ok. Alors ça ressemble pas du tout à une chaussure, mais bon, c'est mon imagerie des chaussures. Donc si je pouvais faire une collaboration avec Nike, ça ne me dérangerait pas de les appeler. Voilà, tu vois, ma chaussure. En plus, je pense que c'est hyper réaliste pour un coaster comme ça. Et je crois qu'il n'y a aucun truc qui dérange. Non, bon, de toute façon, moi je vais faire un truc top hat. Donc le top shoe, c'est pas fait pour moi, tu vois. Je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, je sais que je vais le faire et que je vais y arriver parce que je n'abandonnerai pas ce coaster comme je l'ai fait avec tous les autres coasters que j'ai abandonnés ou en milieu de route parce que j'avais envie de faire de nouveaux coasters. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait avec ce coaster quand je l'ai commencé, c'est que j'ai voulu faire un nouveau coaster et du coup, j'ai abandonné un ancien coaster que j'étais en train de faire. Sinon... faut pas abuser, mais faut abuser, pousser bébé dans les sorties et faut continuer de tapote parce que ça va pas être un tapote, mais ça va être un type d'élément un peu à la ma seule inspiration pour faire un extreme spinning coaster, bah c'est The Ride to Happiness vu que c'est l'un des seuls extreme spinning coaster qui utilise pas un layout très très conventionnel parce que on va dire que Time Traveler bon bah c'est un loop un dive loop desert time une drop voilà c'est pas ce qu'on veut vraiment sur un coaster enfin si c'est ce qu'on veut moi j'aime bien les drops enfin une drop je dis pas non deux drops je dis pas non trois drops comme sur Toutatis je dis pas non mais quand on n'a pas de drop enfin quand on a une drop au début du layout, bon bah voilà, enfin oui, en sortant de la station, c'est pas conventionnel non plus, mais bon, c'est vrai que faut pas abuser. Je ne sais même pas dans quelle direction je pars
par rapport à ce que je dis. Je ne vois pas le rapport entre des drops et ce top hat. Je suis en train de péter un câble. Bon, sinon, voilà, j'ai tenté un truc là. C'est un peu pas ouf, quoi. C'est vraiment pour combler les trous. Et voilà. Ça fait un peu style élément. Voilà. J'ai plus long du coaster. Ah, j'ai plus long du coaster. Merde, j'ai plus long du coaster. Comment il s'appelle? C'est un SES avec un launch. Pas launch hydraulique, il y a un launch arrière comprimé qui a un élément un peu. Ah, j'ai plus long! Putain, attends. Oh, mon... Ah là là, faut que je réfléchisse. C'est, il a un dog tongue, il a un barrel roll qui va au pire. Non! Voilà, image. Non mais. Putain, c'est une. Putain. Là, je vais voir sur Captain Coaster. Ce sera plus simple. Constructeur. S. N. Non. Là voilà. Comment ça, il est pas dans le top? Non, non, c'est pas possible que SNS il fait que 3 coasters. Non, 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 c'est pas possible, ça, je cautionne pas. Il s'est passé quoi là? Il y a un problème, attends. Ah, j'ai mis Japon. Pourquoi ça serait sur Japon? J'ai aussi. Voilà. Ah, voilà. C'est. Ah oui, mais il est loin. Ah, Max Force, voilà, Max Force. Ah, j'avais plus le nom. J'ai cherché le nom quand même. Ah, Max Force. En plus, c'est un nom tellement simple que. Ah oui, ben, c'est évident. Bon, de toute façon, en plus, j'ai supprimé l'élément. Du coup, ça sert à rien d'avoir cette recherche. Bon, ça... Voilà, faut pas abuser, et je pense que je vais péter un câble, et je pense que je vais arrêter ce live et vous laisser ici aussi. Donc je vous dis à la prochaine, ou pas, peut-être que je ne reviendrai pas, peut-être que je reviendrai. Est-ce que j'ai envie de revenir? Pas vraiment. Est-ce que j'ai envie de vous voir? Non, je ne vous apprécie pas, je vous dis bonne soirée à tous, au revoir.